Bonjour, bienvenue dans la Renault Mégane de 4e génération. Alors cette Mégane a beaucoup de chance car elle repose sur le châssis des talismans et espaces et elle récupère donc toute leur technologie. On dispose ainsi pour la première fois dans une Mégane de l'affichage tête haute, de la lecture des panneaux de signalisation ou encore de l'avertisseur d'angle mort, très pratique en circulation. Nous sommes ici dans une version 1.6 DCI 130 chevaux, un moteur largement suffisant pour cette Mégane qui a perdu du poids. À l'accélération, il y a un effet turbo qui est bien prononcé. Le châssis est toujours dynamique, mais Renault a modifié un petit peu les réglages de suspension avec un peu plus de douceur sur les appuis, et ça, c'est pas un mal. La voiture est toujours facile à mener avec un freinage très puissant, un bon guidage du train avant, la commande de boîte avec un levier assez haut se verrouille facilement, c'est agréable. Alors pour cette première impression au volant de la Mégane 4, nous sommes plutôt satisfaits, c'est vraiment une bonne surprise. Mais la concurrence est très dure sur ce segment des compacts avec les 308, les Golf et la nouvelle Astra. Alors je vous dis à bientôt pour les comparatifs sur l'Argus.fr.